Bonjour, bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes frères et sœurs. Ce message est pour les frères aussi, mais surtout pour mes sœurs. Je vous salue au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce message, mes sœurs et mes frères, je veux donner ce message en français et en lingala. Je veux donner ce message en français et en lingala. C'est un message très, très, très important. Très important. J'aimerais, mes sœurs, que vous parlez français. Les sœurs qui n'entendent pas ma langue, qui ne sont pas congolaises, qui n'entendent pas le lingala, d'être patientes, de suivre cette vidéo, ce message jusqu'à la fin. À la fin, je veux partager ce message en français pour que les sœurs qui ne comprennent pas le lingala comprennent au moins de quoi il s'agit parce que c'est tellement important, mes sœurs. C'est important, ces messages. Très urgent. C'est un message très important. Écoutez ce message, mes sœurs, jusqu'à la fin. Vous qui ne parlez pas lingala, je veux parler en français à la fin. Je veux commencer en lingala parce qu'il y a des sœurs qui n'entendent pas français. Il y a d'autres de mes sœurs qui n'entendent pas vraiment tous les mots, si vous voulez, ou peut-être que je ne veux pas bien m'exprimer pour eux. Je peux dire ça comme ça. Peut-être qu'ils comprennent, mais c'est peut-être moi qui ne m'exprime pas bien. Ça peut être dans tous les cas, de mon côté ou de leur côté. C'est pourquoi je préfère partager ce message en français et en lingala. Je commence en lingala. Nazo banana lingala. Message oyo pona silisa yango na français. Donc, ba sœur nanga nyonso boyoka message oyo. Eza très, très important et très urgent. Bon, au moins, nanga lelo nanga na souki nanga boye, na kangi souki nanga te, parce qu'il s'agit de cheveux. Et nazo lobela lelo, makambu ya souki. Yango lelo na tiki souki nangaï. Po, ngam na memi message oyo, naza témoignage vivante. Ngam na memi message oyo, nala ki sa souki nanga o naza nango na moutou. Nala ki sa, na pesa bino témoignage nanga ndenge souki nanga ekomaki makam nazako sa na souki nanga na makamo nzamba la kisinga na ndenge nzamba azo restaurer souki nanga po azo restaurer yango nanu et na message important message oya ya motuya na ye nango lelo makambo ya souki makambo nini oyo biso ekomeli biso ba femme africaine ba femme noire pas seulement africaine mais des femmes noires moi je dis que Ponangai noir nyonso ezala américaine auta en Afrique voilà et on a zo ba femme africaine mais message ezala biso ba femme noire donc écoutons le message jusqu'à la fin mes sœurs francophones il y a tous les pays Cameroun togolaise nigérienne balobara qui parle anglais c'est pas grave je vais essayer de m'exprimer pour que vous compreniez et que vous passez le message c'est très important. Mais comme je suis une servante du Seigneur, nakobandana prière, je vais commencer par une prière pour laisser ce message entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci, Papa Nabiso. Tozong si lokumu epayina yo, yo mto révélé ngai mwana no makambo oyo. Yo mto sali biso ngolu ya kobima na makambo oyo, ya koyeba secret ya ko dévoiler secret ya banguna. Po na biso bana na yo, batu mwindu, osali biso grâce lelo ya ko délivrer biso na makambo. Tika kombo na yezwa lokumu papa, na kombo na Yesu. O batela nga mutu na memi message o ko dévoiler makambo oyo, na batake ya monde a ténèbres. O batela nga na kombo na Yesu Christ, o batela nga yi na makila na yo Yesu Christ, o banda na biso ne bandeliti na suka, eke mo limo na yo, nzambe oyo apesaka conviction. Na bana na yo, appelle sa conviction. Donne la conviction à tes enfants pour suivre ce message du début à la fin, papa, et de partager ce message pour la gloire de ton nom. Et que tu vois toute personne qui va faire le partage de ce message pour sauver, papa, tes enfants. Tu as bien dit pour sauver tes enfants, pour sauver les âmes de tes enfants. Que ton nom soit glorifié, papa. Na kombo na Yesu Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc voilà mes sœurs, mes frères, na bandi message oyo na lingala. Mais bien aimé dans le Seigneur,
na obanda na message na nga moko nzamba pesa kinga. Ça fait quelques temps na ipsa ibino na pesa ibino témoignage na deux fois. Donc so na pesa yango za deux fois na message ou tu le kanalo ba ile kambo moko nzambe a sova nga na cancer a la kisa nga ngo na ndoto et puis a sala kingai opération na ndako na vandaka et a délivré kinga na maladie wana cancer. Si ko na zo ba makambo ya cancer mais na bandina nou na message on zamba pesa kingai pour bo comprendre pour to comprendre mingi na on zambe azo lobela biso. Alors nzamba sala king tant nzamba sala kinga opération na cancer na mutu nanga na nzoto nanga physiquement nzamba sala kinga opération na spirituellement mais la santé qu'on a sur santé que bazo opéré nga physiquement et après ba opération wana o nzamba sala kingai mes bien-aimés dans le Seigneur mes frères et sœurs après quelques temps na comment yiko perdre souki physiquement nzamba sala inga ngo spirituellement mais physiquement na comment yiko perdre souki mes frères et sœurs na perda ki souki tu voyais presque ma tête au moment na presque mutu nangai nazaki donc na perda ki souki bateau bayebi na perda ki vraiment souki nanga mutu na sa ki même quelques photos c'est parce que nazala ngo ati pour na ko garder ngo comme témoignage pour wane za témoignage mon kolono témoigner makambo wana o nzamba salenga na ola ki sont tout ka ba photo wana. Alors souki o eza na mutu nanga mes frères et sœurs de bozo mona eza souki oyo nzamba restauringa eza souki oyo nzambe a botisi na donc nazali sou la souki ti. Donc pour la kolobake cancer et longola rasuki. Cancer et kata suki. Et ça la ba chute ya suki. Oui. Mais ça ka cancer ti. Mute ça la chute ya suki. Nazo koma. Donc na bandina na ndoto nzamba pesenga. Na lali mko mususu eloko interpeller nga makasi za ndoto wana. Na moni nzambe azola kisanga mutu moko boya ki po akanga suki. Mutumura ya kipo kanganga suki. Siko na ndoto, nasaki partante. Na sepele kiko kanga suki po, na bomoto boye. Na yeba kiko kanga suki. Na yebi kiko kanga suki. Na linga kiko kanga suki. Donc, kiko kanga suki, po nangeza yaki normal. Et puis, kiko kanga suki za normal. Kiko kanga suki na yomoko. Antuka ntambe, aepsi nga teke za mabe. Suki na yomoko kwa ajoute lorote. Suki na yomoko. Ndenge suki nenge zabwe na sali ba nat, c'est parce que na sala ango. Na fundi kaka, nde tolo ba ko fundi ka. So, po na za na tempe nda pe a okangate. Pe na prefere, en fait, nzamba zo teni nga boe. Na tika suki nga nga boe. Na tika suki nga sa fe e oumeli. Même ko kanga kara ata na suki nga na kanga angote. Na za na posa te sa, me donne pas envie. Na tira suki nga, na sali chignon. Puisque ça est comme vraiment assez long donc na sala chignon nanga na kata babou donc na zo soigner ngo zo permettre nga ndenge za kutu polele bo na soigner ngo donc presque tous les jours na tiage lo romo bo epo et faciliter nga pe pona bima suki nanga kanga mai comme donc na soigner ka suki nanga si je peux dire juste ça si koyo nzamba zo lakisanga mutu moko ayoko kanganga suki, ngai nandimi kokeno mwana mutu wana pona kanga suki. Na ndoto, siko kokene na zo kende pona kendo kanga suki, na kome sika ngo toyoka na gina mutu wango po a kanganga suki, na mouni mutu wango suti. Na mouni ete, mutu wango azati. Ah. Siko na ndoto na zo komponte na zo ba, me mutu wani nga kanga suki, azate ndenge nini. Ndenge nini na monye soute na monso mutangote. Pe na zwe balanga mutangote. Na ndoto na zo reconnaître mutangote. Ah, ça va? Na tiki nanga, ko linga ko zo, ko baluka pona zonga nangai, na mon nanga mutangote na la muki na pongi. Ah, si ko na komprena epi nza ndoto angote na bi. Ah, na zo kepa mutaka nga suki. Na moni mutangote. E ngeo la kisa, o jiste nini. Bien que naibi mwa muke discernement mwa muke nzamba salanga grâce à makambo suki mais na bondeli ti nzamba yeko répondre nga nzamba zo bisanga nini bien aimé dans le Seigneur nzamba zo bisanga mutu
onga kanga osuki omona ki ete eza ponga mna boya kya simba mutu na yo po alingaki a longo la gloire na yo kokanga suki spirituellement na butu na ndoto eza ndenge motena oke okanga suki na o normal et puis soto tali bien même so oke okanga suki na o physiquement eza na ba conséquences ebele basi boni ba bébé sa suki na bango likola okanga suki. Combien de femmes ba perdre ba souki na bango likola ba coiffeuse ba koma ba souki ma bandi ba souki katana katana ba problème ma souki likolo ya ba maboko kokanga ba souki physiquement même eza mabe alors spirituellement eza mabe makasi omona mutu ou azo kanga o souki ou azo kata o souki eza mabe makasi azo longola gloire na yo azo étouffer ba bénédiction na azo étouffer même étoile na yo. Na ndoto bako kata o basuki te. Omoni mwasi ya bazo kata o suki. Bazo kanga o basuki ko kanga basuki na butu. C'est pas bon. Muta simba ka mutu na ona butu. Donc voilà. Ntang nzambe ebi singa bongo na kumisi nzambe na bi. Ah, nzambe donc nzambe ye moko muta batela ki ngai. A boya ki eloko moko ngai salama. Puit force moko ya mabe. Ya molili et ninga ki esa langa quelque chose et longo langa quelque chose et ibanga quelque chose alors nzamba boyaki na kumi si nzambe eleki nango mais bien aimé dans le Seigneur eloko nzamba yo yebisanga kolaki sangai pe atelemi singapona yebisa biso lelo ezali témoignage on azo pesa boye ba pona makambo a suki oui. Nazana ba fruit pembe nangande bomoni bo bien aimé dans le Seigneur ça pona pesa biso ba astuce o nzamba pesinga moko régime o nzamba chinga nango makambo o nzamba yebisingai mais pendant que nga nazo préparer makambo oyo ya suki na yebisaki bandeko na oloba makambo ba suki na obandane bandeli po bandeko ba comprendre tina ya suki eza nini avant ya kobanda ko sambela po na eloko kobanda même ko soigner eloko bandi ko sambela fo yeba nanu bien aimé fo yeba nanu tina nango fo yeba nanu suki eza nini oyeba ba conséquences oyeba ba makambo positif na négatif po na suki fo yeba nanu suki na ona mutu eza nini tina suki eza nini nzamba lobi nini po na suki avant ya okene même ko sale avant même obando soigné obando somba bilo po na suki no fo yeba tina suki nao po suki eza d'abord spirituel parce que eza biblique eza na 1 Corinthiens 11:14 nzamba zo bele biso makambo ya suki donc suki eza spirituel mutachaka biso suki na mutu eza nzambe yango nzamba longolaki suki ya Nabucodonosor alongolaki suki suki bible zo bele biso na livre ya Daniel 4 ki akomaki ba suki katani suki na ekomi ekomaki moko moko lokola ya kokonte donc nzamba kokolaki mutu ndenge alobaki na bafi ya Sion na kokokola bino mutu na ko raser bino mutu po lo lepo na lo lendo orgueil obokomi nango donc nzambe muta ebiti na suki nzamba lobi yenda ebiti nombre ya suki na biso na mutu donc suki eza biblique sikoyo bandeko nanga eloko etelemi singa ina ko pesa video nazolakisa biso video moko oye saninga oye choke ngai pona ba suki na biso ba africaine pona ba suki na biso ba africaine. Bande kona meme bino video na lakisa bino, makambo ba sala biso, santo yeba. Ba chela biso maladi na eloko moko na produi moko, ekota na nzoto na biso pwepe sa biso ba kanser. Ba kanser o mingi ba fam noir, ba bela, e uta na eloko o na zo lakisa bino. Nga moko na eba inangali kambote. Na zo lakisa bino ango sikoyo, bino nangai tomona. Produit moko ba produit et ça produit monté ba produit et ça produit moko mais ba marque ebele bango nyonso tout ba sangana ki pona ko tia eloko ko tia maladi na kati ya produit na po biso ba femme noire to utiliser yango po ebebisa biso nzoto po eboma biso na ola ki sa biso produit na mi bien aimé dans le Seigneur.
Total à toi l'endroit la bouquet. Plus le défrisage est utilisé à un jeune âge et fréquemment, et plus il y a de chances de développer un cancer précoce. Ce qui est reproché à L'Oréal et aux autres fabricants est que depuis des décennies, le défrisage, qui est un produit lucratif mais nocif, a été vendu à des millions de femmes noires tout en fermant les yeux sur les dangers. Ça fait un moment déjà que l'on sait que le défrisage est nocif, qui provoque perte de cheveux, alopécie, brûlure, mais également par rapport à la santé, car une étude de 2012 a prouvé la corrélation entre le défrisage et les fibromes utérins. D'ailleurs, nous avons fait une vidéo YouTube sur l'histoire du défrisage et ses dangers, n'hésite pas à la visionner. Il ne faut pas l'oublier, mais le défrisage est un produit à composition chimique toxique, perturbateur endocrinien. Donc il provoque une perturbation au niveau des hormones, d'où le risque de fibromes utérins, de cancer de l'utérus et même de cancer du sein et des ovaires. Cela s'explique par le fait que le défrisage est appliqué près du cuir chevelu, donc ça pénètre plus facilement dans le corps. Ensuite, il faudrait carrément interdire la commercialisation de produits défrisants. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire et à partager cette vidéo autour de toi aux personnes qui seraient concernées par ce sujet. Voilà. Mais bien aimé dans les seigneurs, tu l'as dit vidéo bisognoso pour na zongi lango moi mon kinga mon repoto comprendre pour bande ko nanga to comprendre kambo nga na ye di lelo na lobi awa suki na biso ba femme noire mutunyo so nzamba kila eza spirituel siko yo na auto la sabino vidéo oyo ya défrisant eza vidéo o eleki officiellement. Na minute o tozolo ba porter bango plainte ba femme Amérique ba noire américaine ba porter L'Oréal ba porter L'Oréal marque L'Oréal ya ba produit to salelaka ya ba défrisant personne na ba défrisant na ba produit bele ba porter plainte. Pourquoi po mutu o ya porter plainte a salelaka ba défrisant na ye depuis âge ya 8 ans. Depuis on savait qu'il a 8 ans, neti biso bana na biso tochara bon ba défrisant na mutu pour na ko défriser souki. Ba produit ya défrisage. Donc moi si wana o ya porter plainte a ye ko après ba produit ya défrisant o ya sala depuis bon mona a ye ko développer cancer. À cause ya défrisant ba yeko étudier de ba défrisant ya bandai ko sale la ba yeko mona ke ezala ki na produit moko na kati o ezeki ko pénétrer à partir ya mututi na nzoto mobimba ezo produire cancer et ko ki ko produire et ezeki ko produire cancer facilement cancer ya utérus cancer ya sein ya mabele na cancer ya libumuka ba fibron ba nini o ya empêcha ka ba se bele ba botate e uta kanzo kana défrisant. Mes frères et sœurs nga na yeba ite ke défrisant eza poison e ko yiko produire cancer na yeba kangote cancer mususu eza ya molimo oui cancer a obo ke leze bele o yo nga na mona ki eza ki donc le roi ya ko mituna ko tezaki posaki révélation ya nzambe ezaki spirituel mais ba cancer mususu ezana biloko ya kolia oui ezali ebele na biloko ya kolia et mususu ebele ya basi et outi na produit oyo ba défrisant oyo tolongolaka nature na biso ya suki pona ko komisa ngo lisse ngai moko na utiliser ba défrisant ebele nga na tiko ko utiliser défrisant. Même quand tant nzamba bengingai pour dire la vérité nazako kanga susute mais nazaki de temps en temps mon anache de frison nako tikango le nzamba bendinga mato nzamba boy apekisingai donc suki nanga ndenge zali boy na nourisa kango na ba d'abord na produit nzamba la kisanga et puis nga moko na ba soin na donc na tchaka suki nanga ba food biloka ko lia ya suki na liye saka suki nanga na soanya ka suki nanga donc na komi ko sepela na suki nangai ndenge zali même na ba gri o ezo bima wana na zo sepela nango ndenge nzambe aza ko salanga ndenge nzamba zo kolisa suki na ndena moni suki nanga e boti nzamba boti siango na ndimike oui nzambe na be a sauvaki nga na maladi wana ya cancer et puis a boti singa suki nangai et azo continue ko boti sango et lo ninga na opesa biso mes sœurs et là on a zolo basiko on a zolo pesa conseil na ba sœur nangai ceux qui ont continué na kotia défrisant nzambe soka bimisi déjà likambo o etika laka soto to site zalaka biso moko to bwa ki connaissance
Alors, bien sûr, on a osé 4 et 6. Comme tu rejettes la connaissance, je te rejetterai. Alors, bien sûr, on a 1 Corinthiens 11, 14, on a jusqu'à 15. Alors, bien sûr, la nature même ne vous enseigne-t-il pas? C'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais c'est une gloire pour la femme de porter des longs cheveux parce que la chevelure lui a été donnée comme un voile. Pour na nzambe na biso souki na biso ezali voile ou atie biso eza beauté ou atie biso eza gloire ou atie biso. Yango soko moni ozola na butu bazo kata ou basuki bazo simba ou basuki eza mabe bazo longola gloire wana. O nzambe atie biso. Même ko kata souki na o mwasi, eza ko dézonere nzoto na yo. Eza ko kata gloire na yo. Mwana mwasi ko yiko kata souki te. To kata souki na ignorance, ebi na yo to linga ko kata souki. Nga na koli na ekolo kato bando ko kata souki. Bando ko kata biso souki. Dan mesana yi nga bongo. Na ko zaiki ko sa ba coupe. Donc ba coupe a model nyonso. Apre na komo tia ba tissage de tout. De tout na sali nyonso nyonso nyonso. Donc, si la longueur est la longueur, mais il y a restauration. Ce qui est la longueur, c'est la restauration. Nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que ou bien physiquement au monde va souki no beba aux ana souki te comment est malheureuse et ça par conséquence il y a et outil d'abord na spirituel et ça spirituellement et ça par conséquence il y a frustration ba rejet ba blocage sécheresse célibat pesana kati ba problème il y a manipulation spirituelle kolota bando to mabe soki ba simbaka simbaka ona souki o comprendre raté dépression osa la bienté et quoi affecter physique ne quoi affecter vie na mobimba vie na mobimba osa la bienté likolo ka ya suki na mutu po suki bazo zo suki na ya mutu na butu na tongo osa na suki te o bandoza na ba problème suki ozo comprendre parce que utite et bandote osa la frustré net osa na ba problème net il rejet net il ozo comprendre vie na obiente ozo obligé bomba kaka mutu na ona quelque chose ozo bomba identité na yo po tant ozo bakiselo ona suki na biso tozo bomba identité na biso tozo étouffer gloire tozo étouffer gloire na biso moko o nzamba pesi biso moyen toile na yo sa les athées o bomba na kana ADN na mutu mususu o bomba na kana suki ya mutu mususu et conseil li susu nga na ko iko pesa me bien aimé dans le Seigneur eza ko soigner nzoto na yo ko lia ba fruit et ça là que fonctionne à kati na souki et ajoute à un plus na souki na biso ba fruit ya ndenge nyoso nga na liaka ba fruit ya ndenge nyoso donc tout d'abord de ma nature na nga na fruit oh eza ba plastique te eza ba fruit ya normal ba fruit benza na liaka na nga ba fruit po na nini po et participer à peine na souki na nga na teint na biso po so na biso. Donc, nzambe loko la longo linga na biloko wana, abandiko tangi sangaye. Mais bien aimé, nan dimine de Daniel, apè sa témoignage na livre à Daniel, que nzamba sa y konsenye, ba on nan denga ko lia, nan denge nyos, nan denga ko lata. Na y loko ako mela. So ke zo tambwa nan zamba ko ebi sa otwa, ko ebi so y loko ako pako la. Mes frères et sœurs, na ebi si bino, esa témoignage nan nzamba la ki singa bilo onini, il faut na pako la, nan zoto. Nangai, suki nangai, manzaka, biloko nyoso to bambaka bambaka wana eza na mona tina te. Soki ozo tambwa na nzamba ko lakisa o tu. Ako lakisa o nyoso. Nandenge tozo kende surtout na ba hiver bo me bien aimé dans le Seigneur nga la melaka. Nzambe al permettre nga na mela ba vitamine, les vitamines, vitamine C, vitamine ba fer. Ba fer po na malili et tout, surtout basi. Tous les autres sont fragiles, les même pour les gens sont importants. Oméga 3, na melaka, na ba misusukuna, ba vitamine misusukuna, ba vitamine juste pour nous autres à la bien, pour soyez à la bien, soukez à la kitoko, mutamonyo na misu ndenga mona kaona musika ndenge pa moneli yo pembeni.
tokosa na nzoto na biso loro tolingi tokosa un peu de fantaisie toza basi, mais surtout il faut soigner, il faut to soigner nzoto na biso na ko respecter alba biloko to lira komela mai komela kotika biloko a gazeux komela ba jus nzambe a prendre nga biloko na nyonso to naza ko landa ndenge nzamba zo ebisanga ye moko nzambe mutazo tayenga ndenga lingo tayenga yi. Nazo yo kanzambe ndenga zolobelanga komela mai nzamba tindelenga même message a mai na sœur mopo nazala ki komela mai mingi te. Donc nzambe sora lingi mwana na ye a olandela eti na suka comme son bébé toi ba bébé na ye netinga landela nga na nyonso salad boye pakola boye tika boye mela boye tout nzamba ebisanga. Voilà mes bien-aimés dans les scènes na ye kopesa bino message oyo ya défrisant produit destructeur. Défrisant au tchia na mutu na biso depuis bon mois na ya on te meme di biso ba cancer ébélé ya ba utérus ya ba sein ya ba fibrone et tout ça. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, na meka ko expliquer si ko ba sœur na biso na français. Mes sœurs, j'étais venue aujourd'hui pour nous dire, pour nous présenter cette vidéo qui a été propagée, ce n'est plus c'est une vidéo que tout le monde peut publier par rapport au défrisant. C'est par rapport au défrisant. Suivez. Le défrisage peut provoquer le cancer de l'utérus. Si tu veux en savoir plus, on t'explique tout. Jenny Mitchell. C'est pour le cancer de l'utérus. Le géant de la cosmétique L'Oréal. Après avoir utilisé pendant près de 20 ans les produits défrisants issus du groupe, elle a fini par développer un cancer de l'utérus et a dû malheureusement subir une ablation complète de son utérus. Cette action en justice fait suite à une récente étude américaine, publiée ce mois-ci dans le journal de l'Institut National du Cancer, qui a démontré le lien entre le cancer de l'utérus et l'utilisation du défrisage. Plus le défrisage est utilisé à un jeune âge et fréquemment, et plus il y a de chances de développer un cancer précoce. Ce qui est reproché à L'Oréal et aux autres fabricants est que depuis des décennies, le défrisage qui est un produit lucratif, ma soeur, mes soeurs, vous pouvez suivre cette vidéo, c'est la même vidéo que je viens de partager, hein, pour essayer de protéger notre temps. Donc, mes soeurs, je lance cet appel à toutes mes soeurs africaines noires, femmes noires, d'arrêter d'utiliser les produits défrisage pour défriser nos cheveux, les produits défrisants pour défriser nos cheveux. Vous connaissez les produits qu'on utilise pour défriser les cheveux. Ces produits-là ont été aujourd'hui publiés partout et on les a portés même plainte par les Noirs américaines, quelques Noirs américaines, parce que ces produits-là ont produit en nous les cancers. Ça nous a ramené des cancers de sein, les cancers d'utérus, les fibromes, des complications pour concevoir. C'est à cause des produits de défrisage. C'est parce que nous avons utilisé ces produits. Nous avons acheté ces produits avec notre propre argent pour nous tuer nous-mêmes. Donc ces produits nous ont tués. Ces produits de défrisage nous ont amené des cancers des seins, des cancers d'utérus, plein de complications parce que ça pénètre facilement. C'est une vidéo que moi je suis tombée sur ça. C'est d'ailleurs ma fille qui m'a amené ça. Comme elle sait que ça va m'intéresser et c'est un problème pour nous tous, elle m'a amené. C'est elle qui avait vu ça en première. C'est sur TikTok, je pense que c'est partout. Donc, ce produit de défrisant nous ont tués. Et aujourd'hui, on leur a porté plainte par quelques Africaines. Moi, j'espère seulement que Dieu, notre Dieu, fasse justice de ce qu'ils nous ont fait. Parce que ce produit ne sont pas utilisés par les blanches. Ces produits sont utilisés par les femmes noires. C'était fabriqué pour les femmes noires. Rien que pour les femmes noires. Et les femmes noires ont utilisé ces produits et ils ont beaucoup, beaucoup développé des cancers. Et en plus de ça, ça nous a complexés. On nous a dénaturalisés, on nous a montré que nos cheveux n'étaient pas jolis, il fallait qu'on défrise nos cheveux pour qu'on devienne belle. Nous sommes afros, nous avons des afros. Aujourd'hui, on nous a montré qu'il faut défriser les cheveux, qu'il faut tisser les cheveux, qu'il faut rajouter des cheveux indiennes, brésiliennes sur notre tête pour devenir belle. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Nous sommes nature. Moi, mes cheveux là sont comme ça parce que je mets des produits qui nourrissent mes cheveux et j'ai fait des nattes. Et ça fait comme si, en fait c'est crépus, mais ça fait comme si ça tombe. Mais il n'y a pas de défrisage sur mes cheveux. J'ai arrêté ça quand le Seigneur m'a tiré les oreilles déjà. Donc voilà pourquoi aujourd'hui mes frères et sœurs, j'étais venue avec ce message.
pour partager ce message, pour vous dire, mes sœurs, d'arrêter d'utiliser ce produit, de jeter ce produit si ça se trouve dans vos maisons, de protéger vos enfants, vos filles, à ne pas leur mettre ce produit sur la tête. Que mon Dieu vous bénisse. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, je retournerai pour donner d'autres messages que le Seigneur m'a donné, d'autres témoignages sur les cancers et tout, pour vous ramener ce que le Seigneur m'a dit, m'a révélé et a fait en moi. Et le Seigneur fait en moi, il fait par moi pour vous. Donc je suis le canal où le Seigneur passe pour vous passer des messages sur tous mes sœurs. C'est nous que le Seigneur a choisi. Je vous donne cette révélation pour amener sa parole, publier son nom dans le monde entier, les femmes noires. Protégeons-nous. Aimons notre teint, notre couleur. Aimons nos cheveux. Soyons naturels. Soyons comme Dieu nous a créés. C'est ce que notre Dieu veut. Notre Dieu veut que nous soyons naturels. Notre Dieu veut que nous restons comme il veut, comme il nous a créés. Que nous n'ajoutons rien, que nous n'enlevons rien. Si Dieu veut ajouter quelque chose en nous, c'est lui qui ajoutera. Comme moi, le Seigneur est en train de m'ajouter des grisailles de cheveux, des mèches grises. C'est ce que le Seigneur veut. Mon Seigneur veut que je sois comme ça. Alors je laisse ce que mon Dieu fait en moi. Parce que la Bible nous dit que les cheveux blancs sont les signes de longévité et le signe de sagesse. C'est ce que la parole de notre Dieu nous dit. Donc, ce que Dieu fait, il nous a dit qu'il fait chaque chose bon. Notre Dieu n'a rien fait de mauvais. Tout ce qu'il fait est bon. Alors, nous acceptons ce que notre Dieu fait pour nous. Nous acceptons ce que notre Dieu veut que nous soyons. Restons naturels et surtout évitons de tomber dans le piège. On nous a tendu un piège. Oui, ces gens-là qui ont fabriqué ce produit nous ont tendu un piège. Ils nous ont tendu un piège. Nous sommes tombés dedans. Nous n'aimons pas notre couleur. Nous n'aimons pas nos cheveux. Nous n'aimons pas comment nous pouvons nous trouver moches. Nous qui sommes belles. Créées à l'image de Dieu. Créées par l'image du Créateur. Mais nous n'aimons pas notre teint. Nous n'aimons pas notre corps. Nous n'aimons pas nos cheveux. Rien du tout. Nous ajoutons tout. Même nos ongles. Et pourtant, c'est ce que le Seigneur nous demande, de se repentir. De se repentir dans ces choses-là. Regardez-moi, il y a quelques temps, je ne pouvais jamais laisser mes cheveux comme ça et sortir. Jamais. Mais aujourd'hui, je me trouve naturelle. Je trouve que moi, je me trouve belle. Je sors, je pars au travail comme ça. Je vais faire mes courses comme ça. Je tire mon chignon et je suis propre. Je ne veux pas dire que les gens me trouvent jolie, non, je ne veux pas me vanter, hein, même si ils le disent, je ne veux pas me vanter, parce que tous les compliments ne sont pas vrais. Voilà, je n'ai pas 5 ans. Mais moi d'abord, moi-même, je me trouve belle, de comment notre Dieu m'a créée. Donc, je vous encourage, mes soeurs, de rester comme vous êtes. Jetez ce produit de vos maisons, jetez ce produit de tous les défrisants, jetez ces produits-là. Mangeons des fruits, prenons des vitamines, surtout que l'hiver est là, prenons des vitamines. Moi, j'en ai des vitamines, d'autres, j'en ai là-bas, des fer, des vitamines C, des fruits, des légumes, de l'eau, évitez de boire trop de gaz, buvons du jus naturel. Moi, le Seigneur m'a enseigné et il est en train de m'emmener, de me donner une discipline de choisir quoi manger et quoi boire. C'est très important. Voilà, mes frères et sœurs, le message que j'avais amené pour nous aujourd'hui par rapport au défrisage et par rapport à ce que le Seigneur m'avait dit à moi-même. Le Seigneur m'avait montré que quelqu'un allait me tresser les cheveux dans le songe, mais quand je suis arrivée sur place, la personne n'était plus là. Donc, le Seigneur me dit que c'est moi qui t'avais sauvé parce que c'était un piège. On allait te déshonorer. Parce que quand on te tresse, on te coupe les cheveux dans les songes, c'est un signe de déshonorer quelqu'un, d'enlever la gloire de quelqu'un, d'étouffer l'étoile d'une personne. Voilà pourquoi le Seigneur m'avait sauvé lui-même dans ce songe-là. Cette personne-là n'a pas pu venir me toucher. Il n'a pas pu. Parce que le Seigneur, notre Dieu, veille sur moi. Il veille sur moi. Si tu marches avec le Seigneur veillera sur toi. Le Seigneur te gardera. Le Seigneur te protégera. Le Seigneur te donnera confiance en toi.
Tu vas aimer ton corps, tu vas aimer tes cheveux, tu vas aimer tes ongles, tu vas aimer ta couleur. Et ta couleur, ta propre couleur va ressortir. Le Seigneur va t'embellir, il va t'embellir. Tu auras un temps où les gens vont commencer à te demander qu'est-ce que tu mets. Et le Seigneur va te montrer qu'est-ce qui est bien pour toi. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, que notre Dieu nous bénisse. S'il ne revient pas, je reviendrai. Bande konanga, tika tata nzamba pambola biso, tout partager, partager ce message, partager à nos soeurs de voir ce produit qui tue, le produit des défrisons qui tue, qui donne les cancers. Partager ce message, on nous a eu dans leur piège, mais notre Dieu ne nous a pas laissé tomber. Partager ce message et notre Dieu va vous bénir. S'il ne retourne pas, moi je reviendrai, je vous dis à très bientôt, mes bien-aimés dans les saints. Je dis à très bientôt parce que je vais retourner bientôt. Au revoir.